Salut à tous les amis, Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va, mais ça pourrait aller mieux, je vais vous en parler tout de suite, alors aujourd'hui petite vidéo information, donc pas de jeu, pas de gameplay, juste pour vous informer que niveau matériel on va dire, bon, mon problème de carte graphique, elle est défectueuse et... Le problème, c'est que le magasin où je l'ai acheté, enfin le revendeur, ne me la rembourse pas tout. Enfin, je veux dire, faut que je le renvoie à la carte, qu'il la teste, qu'il la renvoie chez le constructeur, et ça va prendre. Enfin, et après qu'il me la re-retourne à la maison, quoi. Réparée. Enfin, voilà, quoi. Ou alors une neuve. Et ça prend entre 4 à 8 semaines. Youpi! En gros, 1 à 2 mois. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais le truc, heureusement, c'est qu'une personne charitable m'a gentiment prêté une carte graphique, une vieille carte. Mais qui, à ma grande surprise, fonctionne. Mais magnifiquement bien pour l'âge, hein, je veux dire. Le modèle, c'est une ATI Radeon HD 4850. Elle a même pas 1 giga de mémoire. Elle a que 512 MO de mémoire en DDR3. Donc comparé à mon ancien, enfin, à la carte graphique que je vais renvoyer, j'avais 2 gigas en DDR5. Alors, vous imaginez? Et là, pourtant, j'arrive à faire tourner quasiment tous mes jeux. Avec une bonne qualité graphique et sans lag, on va dire vraiment. Le problème, c'est que bon, elle fait beaucoup de bruit puisque c'est un vieux système de refroidissement avec un petit ventilateur tout pourri qui fait enfin voilà quoi. Bon, sinon, je pense que vu que justement elle fait tourner pas mal de jeux, cette petite carte, je vais pouvoir quand même faire des vidéos. Sur Black and White notamment, j'ai fait quelques tests. Sur CitiesXL peut-être, je vais voir, j'ai pas encore essayé. Peut-être sur Prison Architect, ça va sûrement pouvoir se faire. Puisque en même temps, elle est soutenue par la carte graphique est soutenue par le processeur qui est assez puissant. Donc voilà, en même temps ça rajoute. Si le processeur était à la ramasse, voilà, ça donnerait pas le même résultat. Mais sinon, Prison Architect, puis d'autres trucs, qu'est-ce que j'avais? Oui, j'ai d'autres idées. Moi, ce que j'avais envie de faire aussi, c'est en attendant, pourquoi pas si vous avez envie de faire une série sur un jeu avec un scénario plutôt long, une aventure, genre RPG, enfin voilà quoi. Donc si vous aviez des jeux à me proposer, j'aimerais bien me lancer dans une petite aventure comme ça, histoire de faire une série un petit peu à part, on va dire, du style stratégie. Enfin, si, qui se rapproche un peu stratégie, on va dire, voilà quoi. Enfin, on n'est pas obligé de faire que de la gestion non plus, de la stratégie pure, mais bon. Un petit RPG, enfin un jeu avec un bon scénario, quoi, et qui dure pas excessivement longtemps, mais voilà, qui tienne au moins pendant quelques semaines, voire un ou... Enfin, le temps que ma carte revienne, quoi. Enfin, si vous avez des propositions, faites-les-moi dans les commentaires ou par message privé, puis je verrai, et puis on pourra se faire ça. Mais là, franchement, je suis un petit peu dégoûté, hein. J'ai les boules, j'ai acheté un ordinateur neuf, je me retrouve avec trois composants complètement foutus. En plus, c'est une... Enfin, c'est une... Voilà, quoi. C'est vraiment étrange, quoi, de la part du même inventeur d'avoir... Trois produits défectueux. Bah après c'est peut-être de notre faute hein, je dis ça mais bon oh, elle est sous garantie donc normalement il devrait pas y avoir de problème. Moi je pensais qu'ils allaient nous la rembourser, que j'allais en acheter une autre directement, mais finalement non. Et ils nous l'ont proposé juste pour mon disque dur, c'était quand je venais de l'acheter. Mais bon, bref. Passons, c'est pas très grave. Bon, ça me fait un peu chier parce qu'en plus. Enfin voilà quoi, c'était la fin des vacances, là j'ai pas trop de boulot, mais bon ça a commencé de plus en plus, vu que c'est l'année du bac, donc voilà quoi, ça me fait un petit peu chier, je vais pas pouvoir en profiter vraiment. Enfin voilà quoi. J'ai les grosses boules. Sinon j'espère que vous ça va, la rentrée s'est bien passée, la fac, le lycée, le collège, enfin un peu tout quoi. Sinon...
Donc voilà, n'hésitez pas à faire des propositions de jeux et on verra. Sinon, je vais me débrouiller pour les séries, mais vous aurez des vidéos, ne vous inquiétez pas. Voilà, sur ce, je vous laisse. À la prochaine et portez-vous bien.